Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'une des rares séries télé d'horreur, American Horror Story. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Nous sommes... Michael. Bon. Je pensais que c'était lui. Et Solo. Et aujourd'hui, on vous parle de American Horror Story. C'est une série d'horreur sur FX. C'est un peu rare qu'on voit des séries télé d'horreur. Là. C'est sûr qu'il y a Walking Dead, tout ça. Mais que celui-là, c'est vraiment comme un film d'horreur. À chaque épisode, il y a toujours la tension... Il y a des surprises. Il y a des... C'est comme un drame aussi. Ouais. On a écouté toute la première saison. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ok. Ben d'abord, je comprends qu'on classe ça dans la catégorie horreur. Ouais. Oui. C'est horreur. Killer, ou... Mais moi, c'est pas l'horreur que je m'attendais, là. Personnellement, moi, je m'attendais à quelque chose. Parce que j'avais entendu, tu sais, les critiques des gens. Que, c'est super épeurant! C'est extraordinaire! Non, j'étais comme, ça va être cool, ça va être épeurant, j'aime ça. Quel film d'horreur qui te fait vraiment peur? Beaucoup. Genre, moi, j'ai peur de tout. Non, mais moi, je m'attendais à quelque chose. Non, mais je dis pas me faire peur, là. Mais, tu sais, un petit peu, là, ou, tu sais, des scènes de tension, on pourrait dire. Mais moi, personnellement, j'ai eu peut-être, souvent, ça dépend des gens, souvent, le premier épisode d'une série, souvent, c'est soit extraordinaire ou mauvais, ouais. Mais tu continues, tu laisses une chance, un paradis, souvent, c'est juste pour établir. Et il y avait des choses que j'avais quand même aimé là-dedans, tu sais, on sentait qu'il y avait du paranormal, ouais, tu sais, qu'il y avait comme des liens avec le passé, pis tout. Ça, je trouvais ça intéressant, mais il y a rien qui me faisait peur. C'était plus des questionnements comme Lost, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais j'étais beaucoup moins intéressé au début. Vers la fin de la saison, un petit peu après le milieu, là, j'ai commencé à avoir des un petit peu plus d'engouement, j'étais un petit peu plus investi. Mais j'ai toujours jamais eu de tension. Peut-être une scène ou deux, mais rien de... Il y a une scène à un moment donné qui est... Moi, je sais pas. Ben, il y a pas une genre de prise d'otage, là. Il y a une tension. Qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Il pourrait se passer quelque chose. Ok, c'est ça que tu recherches. Ouais, c'est ça. Ça, j'avais vraiment bien aimé. Mais, tu sais, mélanger avec la tension. Je pense que même dans cette scène-là, elle commence qu'il y a un gars brûlé dans la série. Pis il cogne à la porte, il veut rentrer. Pis tout. Là, j'étais comme, yes, c'est ça, je veux. Qu'est-ce qui va se passer? Mmh. Puis je pense que l'épisode finit de même, me semble. Puis à chaque fois qu'il y a une tension qui finit, un épisode qui finit sur un questionnement, l'autre épisode commence, puis personnellement, ils ont tout le temps scrappé, selon moi, le début. Ouais, ben, ils continuent pas, puis souvent... Là, aussi, ça faisait ça, là, ça finissait toujours sur un... Plus ou moins d'accord, parce que c'est comme un comic book. Parce que pour accrocher ton lecteur ouais. à la fin du numéro, puis qu'il allait acheter l'autre, ouais. comme la série télé, il finit sur un punch. Puis le début d'un épisode de série télé, tu peux pas commencer direct dans l'action. Ils font jamais, ils devraient, là, mais ils font jamais parce que de toute façon, t'es pas autant que t'étais à la fin de l'épisode. Non, je suis d'accord avec toi 100%. Sauf que la différence que j'ai trouvée, c'est qu'à la place de commencer l'épisode puis de continuer la même scène, on pourrait dire, mais sans avoir tension, c'est qu'ils prennent un 30 secondes puis ils font comme, ils coupent ça genre, ben c'est fini. Ouais. On fait d'autres choses, disant excuse, tu viens de voir quelque chose que tu devrais te poser des questions, puis je vais faire comme si de rien n'était. Ouais, je suis d'accord avec certains points comme ça, mais en même temps, il manquait pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'une partie de ce que tu trouves qui manque, c'est les jumpscares qu'il y a dans les films d'horreur qui font peur. Ouais, parce que moi, je trouve que ce qui fait peur, c'est pas nécessairement parce que justement on fait un saut. Moi, je trouve que c'est plus les concepts qui sont épeurants. Tu sais, le fait de dire que, ok, regarde, dans la maison, il y a des fantômes. Ouais. Dans un seau qui est...
quand même épeurant le concept, là. C'est... Mais, oui, parce que moi, je suis un grand fan de Paranormal Activity, j'aime ça. Puis peut-être que j'aurais aimé, peut-être qu'ils utilisent un peu ce côté-là, parce que les fantômes, que des fois qu'ils fassent des choses que tu ne vois pas, puis que ça... Mais... Ben, ils l'ont fait un peu, mais pas... Peut-être pas. Ouais, mais c'est tout le temps lourd. Beaucoup d'éléments vraiment horreurs. Ouais. Okay. C'est sûr, je vais être d'accord avec ce point-là. Je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vraiment trouvé épeurant, la série. Non. Mais, ce que j'ai aimé, moi, c'était, c'est peut-être ça qui fait, ouais, dans le genre horreur, mais elle l'est pas vraiment. C'était l'histoire, en quelque sorte, les personnages qui se développent, puis les questionnements qu'on avait, puis qui étaient, le mystère restait juste assez, tu savais un peu qu'est-ce qui se passait, tu savais qu'il y avait des fantômes, puis peu à peu t'apprends, ah lui, ok, c'est, il est parenté avec lui, puis ah, en fin de compte, lui, il est un fantôme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ils ont tous chacun une histoire intéressante, puis à chaque épisode, ben, il y a une grosse histoire en général, mais chaque épisode, il est comme structuré pour dire, ok, ben, cette semaine, on raconte l'histoire de ça, ou cette semaine... Ouais, ça. Dans chaque épisode, pis, il se passe de quoi de spécifique, là. Puis les épisodes, moi, quand on les regarde tous séparés, là, il y en a beaucoup qui sont vraiment bons, là. On parle de l'épisode d'Halloween, à l'épisode que, tu sais, il y a une prise d'otage. Tu sais, il y a bien des épisodes qui sont quand même. Vraiment, la maison, elle a une histoire vraiment, là. Puis les fantômes, au début, sont épeurants. Mettons, la première 4 épisodes, les fantômes sont, vu qu'on sait pas trop qui ils sont, sont peut-être plus épeurants parce qu'on sait pas trop. On sait pas du tout qui est qui dans le monde. Puis, sauf qu'à la fin, plus que la série avance, moins ils sont épeurants, mais plus que ça devient des personnages importants, puis que, ils font partie de la maison, ils font partie de... Dans la deuxième moitié, il y a vraiment des révélations au choc, puis ça culmine vers une finale que... Ben, j'ai été un petit peu mixé, là, pour la finale, mais sans dire c'est quoi, mais... C'est ça, contraire. Ouais. Moi c'est une chance que la fin, moi, je l'ai aimé, parce que je l'ai trouvé un petit peu drôle, la fin. Mais t'as original, elle fait pas ce que tout... Non, elle fait pas ce que je m'attendais, mais je l'ai trouvé un petit peu dans le ridicule, absurde, drôle. Ouais, absurde. C'était... Je sais pas. Ok, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai aimé. Mais en gros, j'ai aimé la série. Pas aimé. Mais attends, j'ai aimé juste une chose. Un peu. Mais c'est pas grave que la finale soit comme ça. Je dirais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ok. Fait que j'ai aimé ça, mais c'est juste que moi, j'ai commencé à être investi vers la fin. À peu près, un petit peu après, comme la moitié, comme je vous l'ai dit. Puis, mais j'aime l'idée, ça, oui. Je suis d'accord avec vous que l'histoire était c'est intéressant, ouais, ouais. Mais j'ai jamais été investi. Okay. Parce que je sais peut-être la façon que ça a été rencontré ou mes attentes, mais j'ai jamais été investi. Les fantômes, je pense. Puis aussi, avec certains éléments qu'on connaît, la série a beaucoup de potentiel pour le futur aussi. Elle peut faire pas mal de choses. Puis je trouvais que ce qui était le fun, c'est que les personnages, ils étaient pas clichés. Ça, ben, des fois, il était peut-être un peu, là, mais souvent... Ouais, il était beaucoup moins que dans les films d'horreur. Dans tous les films, je veux dire. Ouais. Non, mais les films d'horreur surtout, là. Ouais. Non, les personnages, dans tous les films d'horreur. Non, j'ai jamais ça. Parce que souvent, quand ils voient quelque chose de paranormal, ils font pas comme... Oh mon Dieu, c'est... Tu sais, ils l'acceptent pas tout de suite, mais en même temps... Ouais, pis, mais il y a des détails... Ouais, mais ils l'acceptent pas assez, à un moment donné, là. Il y a des détails subtils aussi. Ben, c'est dur de prendre en compte que ça... Oh non. Oh, mais attends, non, mais à un moment donné, là, mettons que tu rentres dans une maison, ok, là, pis ça fait comme 4 mois de suite qu'il se passe des affaires bizarres, mais solides, là. Ouais. Genre, du monde qui rentre chez toi sans cogner, là. Tu sais, des inconnus, mais vraiment inconnus, là. Ouais. Tu sais, je dis pas le voisin une fois, là, qui rentre pis tu fais comme, tu sais, que la porte était ouverte, là. Non, c'est du monde qui rentre chez toi, il s'installe solide, là. Ouais. Moi, je pense que quand ça fait 4 mois qu'il se passe ça chez nous, je pense que je m'en irais pis je me poserais des questions, surtout quand le monde disparaît. Ouais. Ouais, t'as la voisine, t'as que une voisine, t'en as un qui est... Ouais, mais il y a une genre d'explication pour elle, là. Ouais. Le patient docteur? Ah oui, ok, excuse. je pensais à quelque chose d'autre. J'étais comme mélangé avec une autre affaire, je fais ok, ouais, oui. Puis la série, elle a réussi à un moment donné à nous jouer un tour que je pense qu'on a tout embarqué dedans. Il y a des puns qui sont vraiment bons, puis qu'on... Ouais. Même si, dans le fond, ça aurait pu être évident, on embarque quand même dedans puis on fait waouh, wow, ouais, comment ils faire ça, j'avais pas dû. Mais non, ouais. moi je recommande la série parce que. Mieux pour, peut-être. Ben la fin. En tout cas, okay. je trouvais que c'était une bonne série parce que
j'avais le goût ça, à chaque semaine d'écouter un épisode pour savoir qu'est-ce qui se passait. Ça c'est parce que le mystère il était bien installé. Puis c'était bien divisé. Ouais. Puis, c'est une série qui s'éternise pas non plus. Il y a pas vraiment de moment mort. Puis la série est quand même courte. C'est peut-être 13 épisodes, 15, 16. 13 ou 12, je pense. C'est 10 ans, on sait pas. Il y a peut-être juste un en gros que je me rappelle plus c'est lequel, c'est vers le milieu. Il y en a un que je trouve un petit peu moins bon, mais regarde, ça a bien été. C'est ça, puis ça s'écoute bien. C'est pas trop étiré. Puis ça, c'est différent des autres séries télé. Puis même sur le genre horreur, ça a comme une autre façon de voir les choses. Parce qu'un film d'horreur, de 1h30, c'est correct. Mais pour que le film soit un film d'horreur qui soit intéressant pendant 13 heures, ben, faut toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis faut que... Friday the 13th, ils font ça, ils divisent en 10 films. Ouais. Parce que le film, c'est une maison avec des fantômes, une maison hantée. On dit, ah, maison hantée, on sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce concept-là, mais ils sont capables de l'utiliser, puis de le faire durer. Mm-hmm. Ben, moi, je recommande. Bob, est-ce que tu recommandes? Ah, ouais. Puis, ouais. Un petit peu. Si on fait la moyenne. Moi, ça a été plus une déception que d'autres choses. Hein. Si on fait la moyenne, on devrait être pas super. Bon, au moins, c'est là, juste un petit. Mais c'est pas mauvais. C'est juste que c'est soit que vous allez aimer ou vous allez pas aimer comme moi. Moi, j'ai aimé ça, mais pas plus que ça. Un petit avertissement. En premier épisode, là, il se passe beaucoup trop de choses. Parce qu'on dirait que la série, elle veut montrer qu'est-ce qu'elle est capable. Ouais, c'est vrai qu'il y a du stock. Il y a trop de stock dans le premier épisode. Mais au fur et à mesure que ça va vous donner un... Il parle là tout souvent de même. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut cet épisode de Geekmo. Pour plus d'articles sur toutes sortes de sujets geeks, visitez le geekmoblog.com. On parle de jeux, de séries télé, de films, de comics. D'ici là, à la prochaine!